Les petits, on les récupère de l'école, regardez la vie qu'ils ont. Milo, il est fatigué. Fatigué, Milo. Attention, oh, boum, boum, hello, 1, 2, bam. Ça va? Des sacrés cheveux, quelle chevelure. Oh les soucis, oh les problèmes, doucement, Inès, attends que Milo passe. Voilà, allez Milo, tu y vas, et après c'est Inès. Allez Milo, tu peux le faire. Oui. Allez Inès. After qui? Tu t'appelles pas JJ, tu t'appelles Mathéo. 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 C'est bien. Allez Inès. Allez Mathéo, tu vas te manger toi. La bouche pleine, bien sûr, toujours plus. Fini de manger Mathéo. Oui. Ma petite puce, t'as grandi dis donc. Tu as quel âge? 4 ans. Tu as quel âge? 4 ans. Et tu t'appelles comment? Jacqueline. Jacqueline, 4 ans. J'ai mes deux nièces avec moi. Oh! Mathéo, look! Mathéo! Mathéo! C'est quoi? Merde! Ça marche pas sur elle! Ah si, ça marche un peu! Et il rigole! Et il rigole! Maman. À moi. Regarde ta mère. À moi. Oh my god. C'est honteux. Vas-y, chérie, regarde. Franchement. Non, essayez comme hier. Viens. Oh, ça va, c'est bien. Une raquette. Et moi? Enfin, à moi? Oh, la frange de viande. Comment on dirait Chucky? Allez, Milo, tu m'as fait mal. Il regarde pas du tout. Non. Oh la tête. Oh là. À moi. Allez frérot. À moi. Non. À moi.
papy? On dirait une grand-mère. C'est ça? Milo, on dirait une grand-mère en fait. Moi, la mamilla. Papilla. Papilla. Il dit papilla, il ressemble à papy. Tu es content, non? Souris, souris. Oui. Et moi? Ah, on dirait qui? On dirait qui là? Papoune. Ah, quoi? Elle a dit que je ressemble à Papoune. Et Papoune. Elle a dit que je ressemble à Papoune. Et moi? Papoune. On dirait mon daron. On dirait pas mon père? Ouais. C'est ouf. Ah non. Avec la mèche. Et même la... Non, mais à 70 balais, je lâche pas. La mèche. Et moi, j'ai vieilli. Papoune. J'ai vieilli, moi. Et papa, il a la même tête que Papoune. Oui. Tu vas me manquer. Ouais. Je suis triste que tu partes. Tu veux pas saucisson? T'es triste, Milo? Il sait pas, j'ai pas encore dit. Non. Il sait pas ce qui se passe ce soir. Bah, toi, il peut manger du... Du quoi? Milo, papa il est triste. Papa il est triste, Milo. Papa il est triste. Tu veux? Oui, là c'est celui qui. Tout à l'heure j'avais un petit coup au moral. Je lui dis papa triste. Il m'a dit it's ok. Ça va, papa, ça va. Hello? Il me dit des câlins, il est trop mignon. Regarde des saucissons! Ouh, il y a du saucisson! Ah bah toi c'est sûr que t'es en train de manger. Hein. Wow. Il a tout mangé, hein. Allez-y, Mathieu, il a tout mangé. Hein. Le 2 KPO, carrousel. Dans ce carrousel. Je ne vois pas. Et après, je sais plus. Maintenant, dis-moi le refrain d'une autre chanson. Alors, c'est vrai qu'elle prend l'avion ce soir, Jade. C'est la dernière balade tous les trois du soir. Je suis triste un petit peu, tu sais. Et je reviens fin juin, début juillet. Pendant un mois. On va pouvoir profiter avec tes cousins. Alors chante-moi, je sais pas, Blackpink. Les Blackpink. Clover, okay. Vas-y, comme tu veux. D'abord Blackpink. Okay, Blackpink. C'est le refrain de Blackpink. Ok. Hey boy. La commission, la commission. Pam, pam. Every time the show up, Nova. Oh. Yeah. C'est coréen en plus un peu. Ils sont fans de groupes coréens. T'entends ça, Perle? Clover, maintenant. Allez, fais Clover. Parce que I got my sales, ah, flowers. I can buy myself some flowers. Write my name in the sand. Talk for myself 2 hours. Je sais plus c'est quoi. Hey, Perle, franchement, t'es chiante. T'es chiante, Perle. Mais arrête. Il va te bouffer. Perle. Regarde. Les paroles, c'est I can buy me some flowers. I can buy myself some flowers. Run my name in the sand. Marquez mon nom sur le sable. I got my fez. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait une crotte. Qui? J'ai marché dedans. Attends, faut que je ramasse du coup. Elle est où? Ah. I can buy myself some flowers. My name in the sand. Talk to myself for hours. Say the things I don't even understand. Maintenant, je vais chanter une chanson. Ok. Alors, peut-être. C'est pitoyable comment je chante. C'est pitoyable. Alors, vas-y. Alors, c'est Forever Young. Forever Young. Non, mais tais-toi. Ok, je suis à ma bouche. Ok, vas-y, je te filme parce que c'est toi la star. Ok. Vas-y. Ah oui. Anna. Justin. C'est quelle langue ça? Igami Sigale Manchunche. Tu parles quelle langue là? Noah. Et. Hello. Hello. T'as été gêné hein? Ah, t'as eu la honte. Allez, continue de chanter. Ok. Bon, je recommence? Tu recommences. Anna. China. Justin. Également, tu
Wow! Applaudissez Jade! Forever Young. Je ne fais pas la vraie chanson. Forever Young. Ah ouais, ça y est, c'est en flamme là. Forever Young. Ah ouais, ça y est, elle part en live. Elle part en live là. Je le coupe. Coupé! Ah, t'es trop belle gosse, vas-y. C'est un chat, c'est ça? Ouais. T'as eu peur? Non, j'ai cru que c'était dans les mains écrasées. Ah oui, bah, je crois qu'il est écrasé. Les amis, je pense qu'on va arrêter pour ce soir tout ce délire de Snapchat. Donc on a bien rigolé, hein? Oui. Tu veux continuer, toi, hein? Ouais. Elle veut jamais s'arrêter. Non, je... En vrai, t'es fan de Snapchat, hein? J'aimerais trop avoir Snapchat à vous. Ouais, ouais. Moi, je kiffe avoir Snap. En vrai, c'est un délire. Je kiffe. Donc, du coup, ben. Bonne soirée à tous. Oh là là. Attendez, il va se passer un truc. Regardez. Est-ce qu'elle va le voir? T'as vu le chat, Perle? Il est où le chat? Il est où le chat? Eh ben, t'as pas bon flair, toi. Hein. T'as pas un bon flair. Il est là, le chat. Tu sais, moi, comment elle cherche la merde. Il va te. Destroy, Perle, il fait double ton poids. Allez, viens, Perle. En vrai, ils sont trop gentils, les chats. Mais elle les aime pas. Ah, les chihuahuas, vous êtes des cavous. Hein. C'est la dernière. Hein. Ouais. Donc là, tu dois. Non, elle veut qu'on fasse les animaux. Tu dois faire l'éléphant. Non, mais juste le bruit. C'est ça, le parterre. Comment tu fais? Ok, ah, attends. Je vais te montrer. Un éléphant, Jade. Je t'apprends comment on fait un éléphant. Ça, c'est un éléphant. Faire Perle! Ok, tu vois un chat? Ouais. Ok, donc là, je me balade tranquille, tu sais. Ouais. Le chat. Oh là là. Attends, avant je savais bien faire ça. Ah, celui-là vraiment. Attends, avant je savais bien faire. Maintenant tu dois imiter ton amoureux Pablo. Faire quoi? Quand tu le vois, tu fais comment? Quand tu vois, parce que Jade, faut savoir qu'elle a un amoureux. Moi, quand je vois Pablo ou quand il me voit. Parce que quand il me voit, c'est beaucoup plus intéressant quand je le vois. Alors vas-y, fais la chose la plus intéressante. Okay. Donc il est avec ses copains, ouais. Moi je fais avec mes copines. Ouais. Puis au loin, comme dans les films. Ouais. Je me regarde. Ici. Il est rougi. Puis après, tu sais, il fait un peu son beau, tu sais, il passe devant comme dans les films là. Il passe devant. Puis après, il fait un petit clin d'œil ou un truc. Et puis après, il rougit. Il rougit? C'est une tomate. C'est je te vrai? Promets, c'est une tomate. C'est trop mignon. Et Pablo, c'est ton amoureux? Ouais. Tu l'as déjà embrassé sur la bouche? Non. Ok, c'est bien. Oui. Sur la joue? Oui. Je vais le dire à ton père. Mais ça va, rien. Je vais le dire à ton papa. Il va pas être content. Magie, que tu te transformes. Pablo. Et tu l'aimes, Pablo? Oui. Tu l'aimes? Oui. Plus que tonton? Non. Bonne réponse, j'ai eu peur. Hein. On est resté une heure dehors au moins. Ouais, 45 minutes, une heure. Incroyable. On allait s'amuser au parc derrière là un petit peu. Et maintenant, je les amène à l'aéroport. Ouais. It's time to go. C'est mignon. Il est triste. Don't be sad, Milo. Hey, soon, tu vas les revoir, ok? Il a bien joué avec Jadine. T'es triste, Milo? Mon bébé. Gros bisous, t'inquiète, foncez. Moi aussi, je vous aime fort. Gros bisous. Gros bisous. Je vous aime très, très fort. Vous allez me manquer. Bisous, Seb. Allez, merci encore. Un grand plaisir. Un gros bisou à Yari. Puis, ouais. Merci. Et à très bientôt. Ouais, gros bisous. Allez, rentre bien. Ouais, merci. Ça y est, j'ai déposé à l'aéroport.
Ma famille, c'est terminé. Ils sont partis. C'était bien, non? C'était super. On a passé vraiment 10 jours avec eux. Ça nous a fait trop du bien. Trop un plaisir de recevoir sa famille chez soi. Émile et Mathéo étaient très fiers de recevoir leur cousine chez eux. Parce que c'est nous qui rentrons en France, donc on va souvent chez eux. Et c'était fier. Et là, dans 2 semaines, il y a du coup maintenant la famille d'Hilary qui arrive. Ce sera la partie 2. Mes parents. Ouais. Et après, tes parents, 2 semaines après, il y aura le meilleur ami d'Hilary, Jimmy. Et la meilleure amie d'Hilary, Manon. Alison et sa fille. Et son bébé. Ouais. Mais les garçons vont avoir un bébé à la maison. Ils vont être trop contents. Alors, ils vont être ouf. Mais lui, il aime trop les bébés et Mathéo, il va être trop content aussi. Il va aller doucement. Il va me montrer des petits jouets. Ouais, et après, on a encore genre un peu de temps à Dubaï. Et on rentre en France. Voir la famille un petit peu. Ouais, ça va trop vite là, tout ce que tu dis. Ouais, parce qu'entre temps, il y a des petits écarts quand même. Oh mon bébé, on arrive plus à te couper les cheveux, c'est devenu n'importe quoi tout ça. Tu viens? Et il y a qui? C'est qui ça? C'est ton chien? Tu fais un bisou? Oh, le style, mon fils, que t'as! Il dit qu'il a froid donc faut lui mettre des chaussettes montantes. C'est vraiment un sketch. Allez, viens, on va à l'école, il fait chaud à l'école. Ah là là, ce sketch, ce Milo. Il y a lui, il se plaint pas, costaud. Viens Mathéo. Et on y va mon amour, viens. T'as froid? Mais Milo, you strong. Bon, ça va être lourd lui. C'est parti. T'es content d'aller à l'école? Elle nous perd. La team Snapchat aujourd'hui, réveil en douceur. On a apporté les petits à l'école à 8h-10. On a pu finaliser quelques documents sur l'ordi. Et là, il va pas loin d'être 11h, on part, Hilary a une séance de kiné, de ostéopathe, excusez-moi, pour ceux qui ont suivi sur ses stories à cause de la grosse douleur qui part pas derrière son dos. Et après, on a un rendez-vous avec un pneumologue par rapport au scanner qu'elle a fait, par rapport aux pointes de douleur qu'elle a au niveau du sein gauche, si je me trompe pas, qu'on comprend pas trop. Du coup, on a fait le scanner. Le médecin, d'après médecin, il n'y a rien de très inquiétant, ce qui est rassurant. Mais elle est allée voir le pneumologue avec le CD du scanner, avec les images, pour qu'on se rassure, parce qu'ils ont quand même vu une petite tache. Ils pensent que c'est plutôt une infection pulmonaire qu'autre chose, du Covid, moissonnier, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Avec la santé, on ne rigole pas, donc on fait les choses sérieusement. On va traiter, vérifier tout ça et se rassurer pour passer de meilleurs jours un peu plus sereins. Et oui, du coup, aujourd'hui, ça a été un réveil sans mes nièces, sans mon beau-frère et ma sœur. Ils étaient posés hier soir à l'aéroport. On a passé une dizaine de jours vraiment trop cool. C'était trop, trop, trop sympa d'être avec eux, avec la famille à Dubaï. Que mes fils puissent accueillir leur cousine chez eux, c'est cool, parce que c'est toujours nous qui allons en France. Et pour la première fois, et ça, c'est une première, on est rentré en janvier à Dubaï et on ne reviendra pas avant début juillet en France. Donc, on va faire janvier à juillet à Dubaï. Sans rentrer en France. On va partir en vacances entre temps, on a un petit voyage prévu. Mais d'habitude, on rentre tous les 2-3 mois en France voir la famille. Même si c'est qu'une semaine, on est des ouf. Mais là, on a décidé de rester un peu plus à Dubaï. Les petits aussi, ils ont leur routine. Ça les fatigue, les avions, casser la routine, etc. Du coup, ils ne reverront pas la famille avant juillet. Enfin, ma famille, parce qu'après, il y a la famille d'Hilary qui arrive dans 2 semaines. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a papy, mamie qui débarquent. Ils vont être ravis. Ça va faire franchement plus de 3 ans dans la voiture. Elle est impeccable et je peux vous le dire, conduire un Jeep, notamment à Dubaï, parce que c'est le désert, etc., on y va souvent, c'est un pur kiff. Franchement, c'est un pur kiff et je ne changerai pour rien au monde ma voiture, c'est dingue. Hein, alors que ça fait 3 ans qu'on l'a et des gens qui aimeraient changer, nous, jamais. Moi, je me vois encore rouler 2, 3, 4 ans avec tellement. Je kiffe rouler qu'un Jeep. Et pourtant, regardez, je vais vous montrer l'intérieur.
C'est vraiment badass, hein. Enfin, c'est vraiment basique, hein. Regardez. Vraiment basique, hein. J'adore le volant déjà. Regardez le petit écran. Ouais, c'est roots. Et j'adore parce que ça s'enlève. Ça s'enlève. On peut rouler sans. Bon, vu qu'on a toujours les petits et que les sièges auto derrière, on le fait pas trop. Mais bon, on peut passer dans le désert, tout ouvrir. C'est vraiment la voiture parfaite pour Dubaï, quoi. Et là, on est parti se renseigner pour changer tout à l'intérieur en cuir, peut-être bleu ou orange. Mais on va le faire en septembre. On va sûrement le faire en septembre. Mais vraiment, c'est vraiment un kiff de conduire. En plus, les Jeeps coûtent beaucoup moins cher à Dubaï qu'en France, par exemple. Vraiment à 30% moins cher. C'est énorme. Il y a un code promo de moins 30% à Dubaï. Non, parce qu'il y a TVA qui coûte beaucoup moins cher. Et en plus, tout ce qui est carte grise, où en France, on paye une tonne quand c'est des grosses voitures. Et à Dubaï, bah, évidemment, eux, ils sont pas comme en France à avoir tout taxé, tout ce qui est possible. Donc, c'est l'avantage de pouvoir rouler avec des grosses voitures assez sympas sans mettre non plus trop cher. Je vous montre. Ça s'enlève tout derrière et même le côté s'enlève, c'est trop cool. On l'a fait que quelques fois, malheureusement on devrait le faire plus souvent. Mais regardez, j'ai les sièges auto derrière. Il y a deux sièges auto derrière, donc c'est compliqué parce que vu qu'on a deux gosses. Pour ça, j'ai l'air, tu veux faire un troisième enfant, faut changer de voiture, c'est compliqué. Hein. Je lui dis, laisse-moi 2 ans, le temps qu'elle ait plus envie d'avoir d'enfant. Ah ouais. Ouais, c'est chaud de faire des gosses. Même si en ce moment, un peu là.